Entre nous culture. Enya. Enya. Ouais, moi c'est Enya. Et moi c'est Marion Toussaint-Louve. On est artiste. Et donc. Artiste, écrivain, poète. Ouais, c'est ça. Ouais. moi j'écris de la poésie, j'anime l'atelier d'écriture, j'anime des scènes ouvertes de slam poésie. J'ai un spectacle et j'ai aussi ce stand poétique que là on est en train de faire avec Marion qui est là, qui fait aussi tout plein de choses. Ouais, moi je suis écrivaine, poétesse, je suis artiste plasticienne aussi. C'est-à-dire vous faites du graph ? Artiste plasticienne, non, ça consiste pas à faire du graph. En fait, je travaille sur différents concepts et je leur donne une forme dans la matière. Donc je fais du modelage, de la photo, du visuel en fait sous pas mal de formes. Vous êtes sur La Rochelle ? Ouais, je suis sur La Rochelle. Ouais. Vous êtes Charentais tous les deux ? Oui ! C'est ça, représente le 17. Ouais. Charente-Maritime. D'accord. Et vous allez aussi sur Angoulême, j'imagine ? Non ! Ah ben pourtant, c'est Angoulême et la ville... C'est pas la Charente-Maritime, je ne sors pas la Charente-Maritime. Ah. Bon, on peut se balader un petit peu, mais c'est vrai qu'on reste quand même plutôt pas mal ici. Mais c'est sympa aussi la dynamique locale et d'approfondir vraiment des projets, c'est sympa. Voilà. Ouais. Et là, vous animez un petit stand avec poèmes à offrir. C'est ça, ouais, c'est un concept. Donc on vient vous voir et puis vous faites un petit poème. Je dis, je voudrais un petit poème pour ma grand-mère. C'est par ça. Exemple, donc, en fait, ouais. Il y a deux formules, soit poème à offrir et on l'offre à quelqu'un qu'on veut. Et il y a aussi le poème défi. Donc là, en fait, vous nous donnez trois mots et on a 3 minutes pour rédiger le poème. Avec ah oui, ça c'est encore autre chose, ça. Alors. C'est une épreuve, là. Ouais, mais on est là, on est frais, donc on y arrive. C'est ça. Ça, c'est l'atelier d'écriture, un peu, alors. Comment ça ? Trois mots et écrire à partir de trois mots. Ouais, c'est un peu comme un atelier d'écriture, selon les mots des gens, ouais. D'accord. Vous pouvez m'en lire un, par exemple ? On va le faire, puisque du c'est coup, ça. Si la personne qui est là nous a demandé un poème. Donc on a relevé le défi. Et je peux vous filmer en même temps ? Bon, ben alors, vas-y. C'est pour Johan. Je t'en prie. Ok. Je commence ? Vas-y. Ok, donc par exemple, là, vous voyez ce qu'on fait, c'est que la personne vas-y, qui est ici. Pour vous, hein. Je t'exprime pour vous. Hein. Oui, c'est bon. Donc la personne qui est ici nous a demandé un poème pour son amoureux qui s'appelle Johan. Elle nous a donné quelques informations sur lui. Et donc. Bonjour Johan, alors de notre part, hein. Bonjour Johan, et avec ce qu'il nous a dit, on a écrit un petit poème. Donc moi j'écris ça. Mon Johan, mon petit cœur, mon bichon, d'arriver à la même heure, nous désespérons. Avec toi je n'ai plus peur, vivante d'émotion, depuis l'île de Vouton, 2 ans de relation. Amoureuse à tes côtés, je n'ai plus de doute, tu me les as tous ôtés, mon amour, mon scout. Johan, longue vie à nous, Johan, je t'aime beaucoup. Bravo. Voilà, c'est bon. Et donc un deuxième poème, parce que nous sommes deux. Donc pour Johan, moi j'ai écrit... Deux poèmes pour Johan. Oh là, Johan va te gâter aujourd'hui. Hein. Exact. Ouais. Depuis ton débarquement, la nature c'est à tous les temps. Tandis que les saisons défilent, je tiens le fil de notre histoire. J'ai tant d'amour dans ma mémoire et encore plus à te donner. Je suis, c'est vrai, souvent en retard, mais jamais pour t'aimer. Oh là là. Vous pouvez le montrer à la caméra là, parce qu'il y a une belle écriture en plus, formidable. Hein? Ok. Merci. Entre nous culture.